bien voilà. Voilà mot de passe. Petite soirée d'été, voilà. J'espère que ça se passe bien. C'est vrai que là, cette émission, évidemment, est en public, avec un public nombreux et formidable. Écoutez-les. Et puis, il y a les candidats. Il y a Samia, qu'on applaudit, et Alexandre. Alors, Alexandre commence l'émission. Vous êtes chef d'orchestre, compositeur, vous jouez de la clarinette, on le voit. Pas simplement de la clarinette, d'autres instruments également. Un peu de saxophone et un peu de cor d'harmonie. C'est bien pour commencer l'émission. Voilà. Samia, vous aussi, vous êtes un peu artiste parce que vous adorez l'improvisation. Oui. Vous faites du théâtre d'improvisation, oui, également. Oui, tout à fait. Vous venez de quelle région? Je viens de Lille. De Lille. Oui. Et vous, mon cher Alexandre? Je viens de Bu, un petit village à côté de Dreux. Vous savez que vous êtes à mot de passe. Mot de passe, qu'est-ce que c'est que mot de passe? D'abord, un enjeu, gros enjeu, 50 000 euros. Des épreuves, des sélections, avec des personnalités qui vont venir vous rejoindre. Faire deviner un mot, enfin, en réalité, dans l'émission, plusieurs mots, grâce à d'autres mots, c'est simple. Shirley Soignon est là, et également Florian Gazan pour jouer avec nous. Alors, Florian est déjà venu, tout le monde se dit bonjour, tout le monde se dit bonsoir. Oui. Florian est déjà venu dans l'émission, il connaît bien, et Shirley, c'est son premier. Seulement, évidemment, on ne peut pas tout faire, ma chère Shirley, dans l'émission. Il y a des interdits, pas de mots composés pour faire deviner un mot. Ouais. Pas de mots de la même famille, pas de mots commençant par le même son, et surtout pas de mime, hein, pour faire télévision, vous ne faites pas toc. Toc, toc. Non. Sinon, on entend... Allez, Shirley va commencer tout de suite. Alexandre, c'est parti. 30 secondes. Tortue. Ninja. Carap... Allez. Coucher. Dormir. Droit. Debout. François. Mitterrand. Nom de famille. Oui. Oh merde, merde, oh non, excusez-moi, ça vient. Trembler. Bouger. Frémir. Surprise. Ah, un point, mais ça ira mieux après. Un point pour cette première. Les publics, ils sont durs. De toute façon, c'est pas de la règle. Ça peut pas être moins bon après, donc ça ira mieux après. Bon, alors évidemment, pour faire trouver carapace, c'est une bonne méthode, mais on peut pas dire carapace. Mais on peut pas dire carapace, ça, mais compliqué. Oui, c'est ça. C'était coquille. C'est pas la règle. C'est coquille que je voulais dire. Voilà. En plus, voilà. Maison de la tortue. Alors debout, très bien, ok. Et puis alors François, vous avez dit Mitterrand, et elle cherchait simplement Hollande, mais tu peux pas dire le nom de famille. Bah ouais, c'est trop long. François, président. Donc ça fait un point pour l'instant, et c'est Samia qui va jouer avec Florian. C'est Florian qui fait deviner les mots à Samia. 30 secondes, un point par mot. Poussette. Landau. Acceptation. Oui. Contraire. Non. Substantif. Refus. Livre. Bouquin. Métier. Écrivain. Rangement. Bibliothèque. Métier. Bibliothécaire. Bob. Éponge. Pas mal joué. C'est pas cela, mais pas mal joué. Bob Dylan. Voilà. C'est bon. La même référence. C'est là qu'on voit les âges des candidats. Hein. Voilà. Vous êtes toutes jeunes, c'est vrai. Samia, ça fait 3 points. C'est Alexandre, maintenant, qui va faire deviner les mots. Gâteau. Pâtisserie. Fruit. Sec. Je passe. Actrice. Comédienne. Valérie. Le Mercier. Je passe.
Cuit. Cru. Bouger. Danser. Perche. C'était le verbe sauter. Alors, ça fait 2 points avec le Mercier, avec Cru. Vous avez 3 points pour l'instant, mais une manche de retard pour Samia, qui a déjà 3 points à son crédit. Attention, 30 secondes, c'est parti. C'est vous qui faites deviner les mots à Florian Gazan. Vêtements. Habits. Nuit. Pyjama. Complexité. Difficulté. Contraire. Facilité. Complexité. Simplicité. Film. Cinéma. Poulain. Amélie. Originaire. 3 points supplémentaires, ça fait 6. Avec pyjama, simplicité et Amélie. Oula. Allez, changement de partenaire de façon à ce que la partie soit parfaitement égale. Shirley va jouer avec Samia. Oh, quelle mise en scène. Quel grand spectacle. Merci Robert Hossein. Et puis Florian va jouer avec Alexandre. Bon, alors, c'est maintenant à Florian donc de faire jouer le chef d'orchestre Alexandre qui habite Bu. 30 secondes. Haut. Vin. Sol. Bas. Pluie. Flac. Dion. Céline. Lié. Attaché. 30. 40. Laine. Pull. Cou. Roulé. Vêtement. Manteau. Foulard. Soie. Je crois que dans le public, on l'avait. Écharpe, ça fait 7 points. Et c'est maintenant Shirley Soignon qui vient pour la première fois dans l'émission. Aie confiance en toi, Shirley. C'est parti. Samia, vous recevez les mots indices pour donner les mots de passe. 30 secondes, 1 point. Et oui, 1 point par mot, comme d'hab. Vitesse. Accélération. Pape. Sainteté. Lieu. Passe. Tromper. Mentir. Homme. Salaud. Passe. Désolée. Alors déjà, moi quand j'ai vu apparaître... Quand j'ai vu apparaître le mot infidèle et que j'entends tromper homme, ça peut être tromper femme hein, aussi. Oui, bien sûr, mais je pensais que ça, ça l'a motivé. Et alors salaud, très bien. Elle a pensé à son ex, ça m'a rappelé. Vous avez un enfant ? Oui. Vous êtes marié ? Oui. Très bien. Il est fidèle. Il est fidèle. C'est que fait ça que monsieur pas trouvé, en ce moment-là, fait. Précisément à cette heure-là ? Il garde la petite. D'accord, ouais. Il garde la petite. C'est ce qu'il vous a dit. Alors donc, 7 à 7. Dernière manche de qualification. C'est maintenant que ça se décide. Au terme de cette finale, vous le savez, Alexandre et vous, Samia, 50 000 euros. On va commencer par vous, Alexandre. Vous allez devoir faire deviner les mots à Florian Gazan. 30 secondes, toujours un point par mot. Suspense, suspense. Musicien. Artiste. Clavier. Pianiste. Je passe. Maroc. Maghreb. Plage. Je passe. Verticalement. Horizontalement.
Oiseau. Coq. Lac. Cygne. Vêtements. Habit. C'était le mot mode. Mode à faire deviner. Mode. Et une des plages du Maroc, Agadir. Ouais. Ça fait 10 points. Ce qui veut dire qu'il faut au moins marquer 3 points. Mm-hmm. On est d'accord? Samia, c'est vous qui faites deviner les mots à Shirley Soignon. Mistral. Vent. Je passe. Chien. Animal. Foresti. Bulldog. Octobre. Mois. Suivant. Novembre. Écumé. Passé. Café. Graines. Non. Ah là là, filtré. Filtré. Mais en tout cas, bravo pour le Mistral qui nous apporte le bon vent. Le chien de Florence Foresti, effectivement, Shirley le connaît, c'est un bulldog. Et le mois de novembre venant après le mois d'octobre. Vous avez 10. Et vous avez 10. Mm-hmm. Ah, pile ou face. Et c'est à ce moment-là qu'arrive le tie-break. Écoutez bien la règle, elle est simple. Un même mot à trouver pour les deux équipes. Un même mot à trouver pour les deux équipes. Et c'est l'équipe qui trouve le mot de passe qui va en finale. Alors comment faire? Il y a eu un tirage au sort. C'est Alexandre qui a été tiré au sort pour éventuellement commencer, mais vous allez choisir car vous allez avoir, Samia, c'est vous qui allez faire deviner à Shirley, et Alexandre, c'est vous qui allez faire deviner à Florian. Vous allez avoir sur votre cadran un petit chronomètre marquant 10 secondes. Vous aurez 10 secondes, Samia, et vous, Alexandre, pour donner un mot indication à Shirley ou à Florian. Et Shirley et Florian auront également un chronomètre avec 10 secondes pour vous donner ce qu'ils croient être le mot de passe. Maintenant que vous connaissez bien la règle, Alexandre, est-ce que vous choisissez de commencer ou est-ce que vous laissez la main, soit élégamment, soit stratégiquement, à Samia? Je laisse la main à Samia. Vous laissez la main à Samia. On est bien d'accord? C'est le tie-break 10 à 10. Samia, c'est parti. Pastille. Comprimé. Alexandre. Collage. Vignette. Samia. Couleur. Gommette. C'est gagné. Shirley et Samia viennent de gagner avec gommette. Vous êtes donc, Samia, la finaliste. On va retrouver Florian dans un instant pour la deuxième partie de mot de passe. Merci infiniment d'une part du morceau de clarinette, hein, Prokofiev. Et puis à très bientôt. Est-ce que vous garderez, j'espère, un bon souvenir de votre passage ici, hein? Très bon. Voilà. Très bon. Vous avez l'habitude de jouer devant des centaines et des centaines de personnes. Des centaines, oui. Des millions, un peu moins. Mais là, on s'occupe pas. Non, bien sûr. On est à peu près 500-600. Oui. Voilà. Et puis, devant l'écran, et c'est vrai que devant l'écran, on doit dire que tous les soirs, il y a un peu plus de 1,5 million de téléspectateurs, et on ne les oublie pas. Vous allez assister à la finale avec Samia et avec Shirley. Belle arrivée dans l'émission, hein. Ah, je suis très, vraiment contente. Belle arrivée. Gommette, là, c'est à vie, ce mot. Vous qui nous regardez, vous pouvez jouer et tenter de remporter la somme de 15 000 euros, ou cet été, on met également en jeu une voiture. Alors, il vous suffit de trouver le bon mot. Les indices sont fruits. Rouge, bon. Gariguette, oh. D'après vous, quel est le mot de passe? Est-ce 1, fraise ou 2, kiwi? Je vous répète, les indices, fruits, rouge, gariguette. Envoyez votre réponse 1 ou 2 par SMS au 7-10-20 ou téléphonez au 32-43. Un tirage au sort, bien sûr, sera effectué parmi les bonnes réponses. Voici donc le moment tant attendu. C'est la première présence de Shirley Soignon dans l'émission et la première présence de Samia.
et peut-être pour vous les 50 000 euros. Voilà, c'est la première finaliste de l'émission. Samia joue avec Shirley Soignon. Et vous allez jouer pour la somme de 50 000 euros. On va regarder tout de suite la pyramide des gains. Mm-hmm. Pour 1 000 euros, si vous voulez gagner 1 000 euros, comme ça, 1 000 euros, c'est sur une liste de 9 mots. Il faudra que vous en fassiez deviner 5. 5 sur 9. Si vous voulez aller un peu plus haut, 2 500 euros, c'est toujours 5 mots. Mais la liste, ce n'est plus 9, mais 8 mots. Et là, 2 500 euros, si vous arrivez à cette somme, à ce palier, cette somme vous sera acquise, quoi qu'il en soit, pour vous, votre mari et votre petit enfant qui a... Un an. Un an, très bien. 5 000 euros, c'est 5 mots, donc, sur 7. 10 000 euros, 5 mots sur 6. Et 50 000 euros, 5 mots sur... En finale, 1 minute 30, quand vous passez un mot, le mot ne revient plus. Contrairement aux épreuves de qualification, le mot ne revient plus. 1 minute 30. Et attention, pas plus de 3 indices hein, pour faire deviner un mot. Mais vous avez jusqu'à 3 indices. Construisez votre stratégie. Mmh. Avant de prendre la parole, quand vous allez voir le premier mot, prenez votre temps. Le chrono ne se mettra en marche qu'au moment où vous allez donner votre premier mot indice. Mmh. Cool. Okay. 1 000 euros, 5 mots sur 9. Shirley, Samia sont sur le même plateau et personne ne tombera à l'eau. C'est parti. Danse. Rythmique. Chaussures. Chaussons. Gable. Ballerine. Maquilleur. Coiffeur. Vingtième. 19e. Moins. 10e. Enfant. Adulte. Petit. Bébé. Arbre. Forêt. Tropical. Palmier. Vendeur. Acheteur. C'est bien, c'est bien. Vous prenez votre temps. Coiffeur, 10e, bébé, acheteur et palmier, ça fait le contrat, 2500 euros, à moins que vous ne vouliez partir avec les 1 000. Non, je vais continuer. On les remet en jeu. Ouais. D'accord. Quelles sont tes premières impressions pour une finaliste, Shirley? Eh ben, c'est beaucoup de pression. Je vois l'argent dans ses yeux, là, et ça fait flipper. C'est parti pour 2500 euros. Là, c'est 5 mots sur 8. Toujours 1 minute 30, toujours 3 indices. À la fois, prenez votre temps et calculez tout ça, hein, d'accord? Ne comptez que sur vous et sur votre partenaire. Oubliez le reste. C'est parti, 1 minute 30, 2500 euros. Cheval. Jument. Discipline. Équitation. Embrasser. Bisous. Président. Hollande. Poutine. Russie. Prénom. Gorbatchev. Jeune. Vieux. Musulman. Mosquée. Circoncision. Fin. Ah oui, Ramadan. Je passe. Besoin. Nécessité. Euh,
Désir. Souhait. Autre. Vœu. Coiffé. Tressé. Visage. Maquillé. Ah là 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 là. C'est une qui m'a mis dans la... Bravo pour les mots que vous avez trouvés. Pourquoi vous n'avez pas joué qualitativement, quantitativement? Je ne savais pas si j'avais le droit. Ah, Cali, oui. Quanti, pourtant c'est pas d'accord. Le... Bah, c'est K. Non, vous pouviez. Quand, mais... vous pouviez. Ouais, ouais. Là, vous avez été un peu stressé, ouais. Un peu impressionné. Hein. Je suis absolument certain qu'à la maison, j'aurais vous gagné. Faites beaucoup mieux. Non, c'est sûr. Bon, alors évidemment, vous aviez remis les 1000 euros en jeu, ouais. Et vous n'êtes pas arrivé au palier. Mais je vais vous offrir quand même quelque chose, parce qu'en regardant la télévision, moi, je me suis aperçu, par exemple, que dans On ne demande qu'en rire, cette émission, elle était plus ou moins appréciée. Oui. Et Shirley a quelque chose à vous dire à propos de mot de passe. Oui, là, effectivement, j'avais fait une parodie de mot de passe dans On ne demande qu'en rire, et puis j'avais fait une espèce de racaille, tu sais, qui comprend rien, on lui donne le mot couleur, elle dit « Renoir ». C'est compliqué, tu vois. Donc, et moi, je me suis dit qu'en fait, tout le monde ne pouvait pas participer à votre émission, en fait, Patrick. Même, par exemple, ma voisine ne peut pas participer. La fois, elle est partie chercher sa gamine à l'école, puis la maîtresse lui dit « Écoutez, madame, je suis désolée, votre fille n'était toujours pas faire 1+1 ». Puis elle lui dit à la gamine, bah, Sophie, quand même, je te connais, un puce, c'est le bébé de la poule. Voilà, alors comment on peut pas faire l'émission. Je te fais un bisou, pardon. SketchUp, c'est Shirley Soignon, partout en France, en Belgique et en Suisse, en tournée. Vous qui nous regardez, il y a une voiture à gagner cet été ou un chèque de 15 000 euros, il vous suffit de trouver le bon mot. Voici les indices fruits, rouge et gariguette. Alors d'après vous, quel est le mot de passe? Est-ce 1 fraise ou 2 kiwi? Je vous répète les indices fruits, rouge et gariguette. Envoyez votre réponse 1 ou 2 par SMS au 7-10-20 ou téléphonez au 32-43. Un tirage au sort, bien sûr, sera effectué parmi les bonnes réponses. Dans quelques instants, on va accueillir deux nouveaux candidats. Gardez un bon souvenir de nous, Samia. Tout à fait. Dans un an et un jour, vous pourrez venir vous réinscrire et peut-être tenter votre chance. Votre enfant aura 2 ans et votre mari ne sera évidemment pas infidèle. Tout à fait. Donc tout se passera bien. Deuxième partie de mot de passe. Toujours donc avec Shirley Soignon, toujours avec Florian Gazan. On applaudit Laetitia et Benoît. C'est la deuxième partie de mot de passe avec Laetitia qui vient de Bruxelles. Vous y faites quoi à Bruxelles? Je suis assistante de direction, j'organise des conférences. Mais en même temps, parallèlement à ça, on m'a dit que vous avez fait l'école du cirque? Oui. Voilà, j'ai fait du trapèze, j'ai fait acroporté. Donc voilà, j'étais dans les airs. Et là, vous avez arrêté complètement ou alors... Oui, là, ça fait longtemps, je fais encore de la danse et voilà. D'accord. Benoît également, belle reconversion puisque vous étiez dans le marketing. C'est et ça. Puis, il y a 4 ans, comme quoi on peut avoir plusieurs vies dans une vie, vous avez fait ce qui vous fait plaisir aujourd'hui, c'est-à-dire tapissier décorateur. C'est ça, oui, oui. Pourquoi ce changement? Parce que j'avais fait un peu le tour de mes précédentes fonctions dans le marketing et dans le commercial et que j'ai toujours été attiré par la décoration et les travaux manuels. Oui. Et donc voilà, j'ai choisi cette reconversion. Mon frère m'avait précédé dans la même reconversion. Et donc je l'ai rejoint dans son atelier aujourd'hui. On a un atelier de tapissier à Saint-Cloud. Ben, merci à tous les deux en tout cas d'être candidats avec nous hein, pour mot de passe. Vous savez, enfin je vous le dis, on va pas mettre le boum boum. Enfin, vous jouez quand même pour une somme d'argent importante quand même, 50 000 euros, l'un ou l'autre hein. L'un ou l'autre. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans cette émission, je me dois de vous les rappeler, car souvent, malheureusement, ça annule le mot que vous feriez deviner. Pas de mots composés, pas de mots de la même famille, pas de mots qui commencent par le même son, et pas de mime, sinon on entend... Bon, est-ce que vous êtes prêts? Prêt. Tout le monde est prêt? Oui. Allez, Shirley, tu fais jouer Benoît, 30 secondes, 1 point par mot, c'est reparti, mot kiki. Chimpanzé. Babouin. Macaque. Singe. Potable. Buvable. Robinet. Eau. Comédien. Acteur. Ensemble. Je ne sais pas. Peintre. Artiste. Bah.
30 secondes, ça va très vite, mais en tout cas, là, c'est bien joué, Shirley. Ça fait 3 points avec singe, eau et artiste. Le dernier mot, c'était Margaret, mais évidemment, les 30 secondes, c'était terminé. Alors maintenant, c'est à vous, Laetitia, de recevoir les mots indices de Florian Gazan. Vous êtes décontracté, tout va bien? Super. Tout va bien? Non, franchement, ça va? Non, ça va bien, ça va bien. Attendez. Il y a un truc qui va pas. Attendez. Voilà. Ah, oh, là, oui, c'est parfait. C'est parfait. Là, c'est absolument parfait. Là. Voilà. Je me disais que, avec ses beaux cheveux, rien ne devait vraiment dépasser. Allez, c'est parti. C'est Florian qui joue avec vous. Laetitia, 30 secondes, un point par mot. Commodité. Toilette. Coup. Fond. Forme. Animal. Flore. Pompon. Je passe. Je passe. Réglé. Payé. Dain. Velours. Animation. C'était Bambi. Le fond, le daim, comme ça, Bambi, pampan. Alors, et puis, pour faire deviner colis, on peut pas employer le mot coupe puisque c'est de même famille. Toilette est payée, ça fait 2 points, ce qui n'est pas mal du tout. 2-3, 3-2. C'est à vous de jouer, Benoît, et de faire deviner les mots à Charlotte Soignon. C'est parti, Benoît. C'est parti. Mandarine. Clémentine. Autre. Orange. Je passe. Cheval. Jument. Coup. Je passe. Capitale. Paris. Autriche. Vienne. Examen. Bac. Long. Brevet. Long. Baccalauréat. Dingue. Fou. Bravo. 3 autres points. Le premier mot, c'est pas, ça n'a pas de rapport avec Clémentine. Hein, absolument. Ni mandarine. Pêche, oui. C'est un. Je suis pas complètement dingue, d'accord. Nectarine. Et 6 points, c'est pas mal du tout. Alors, à vous de jouer, Laetitia. Vous allez faire jouer donc Florian. 30 secondes, un point par mot, avec votre beau sourire. C'est parti. Passe. Moi. Année. Toi. Nous. Je. Pronom. Passe. Londres. Angleterre. Cinquièmement. Sixièmement. Passe. Flore. Faible. Flore. Fleur. 2 points supplémentaires. C'était pour naturiste. Mais non, hein. Mais j'ai mal lu le mot. D'accord, ok. En tout cas, Angleterre est sixièmement, ça fait 2 points supplémentaires, ça fait 4. 4 à 6. On va changer de partenaire pour voir ce que ça fait. Allez. Quand Florian joue avec Benoît et Shirley. Waouh ! Super mise en scène, encore une fois. Vraiment. Chaque fois, on s'entraîne. C'est ce qu'on aura fait de mieux, je crois. Hein. Bah, Shirley va jouer avec Laetitia. Bon, alors maintenant, je vous le dis parce qu'il y a encore 4 fois 30 secondes. Et c'est maintenant que je dois vous mettre un petit peu de pression. Il y a pour l'un ou l'autre la somme de 50 000 euros. Ça n'a l'air de rien, mais c'est une très grosse somme. Alors, Florian, c'est parti avec Benoît. Piscine. Bassin. Saut. Plongeon. Astérix. Obélix. Chien. Idée fixe. Surpris. Étonné. Opération. Multiplication. Plus. Addition. Verbe. Additionner. Instrument. Outil. Corde. Ciseaux. Brieux. C'était bien construit en tout cas. À chaque fois, ça a été bien construit et bien deviné. Donc, ça fait 4 points supplémentaires, ça fait 10. Attention.
Car là, il faut assurer. Shirley va donc devoir faire deviner un maximum de mots à notre amie Laetitia. Je passe. Bart. Simpson. Bouger. Danser. Fauteuil. Chaise. Autre. Tabouret. Salon. Canapé. Football. Joueur. Gardien. Ballon. Passe. 3 points supplémentaires, ça fait 7. J'ai le droit de dire ça. Le gardien au football, c'est le goal. Goal, ouais. Alors, je n'étais pas sûr de pouvoir le dire. Donc. Alors attention, car voici les 30 dernières secondes. C'est vous qui allez toujours garder la main, Laetitia, avec au moins 3 points à inscrire. Hein, ouais. Au moins. Pour arriver au tie-break qu'on a connu tout à l'heure dans la première mi-temps. Et 4 pour essayer d'être un peu plus confort. D'accord. Donc c'est maintenant que les choses se jouent. Casser. Rompre. Jambe. Fêler. Presque. Entorse. Passe. 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 Sale. Propre. Océan. Mer. Pacifique. Atlantique. Cassé. Rompre. Alors à ce moment-là, dites carrément cassure. Cassure. Ah oui, pour fracture. Ouais. Fracture, ouais. Hein? Alors 2 points, évidemment, ça veut dire que ça ne sera pas suffisant, hein, et que l'on va se dire au revoir dans quelques instants. J'espère que vous garderez un bon souvenir, oui, quand même, de votre passage ici parmi nous. C'est Benoît qui va jouer maintenant ses dernières 30 secondes. Avec qui jouera-t-il sa finale? On va le savoir, car c'est au terme des points qu'on pourra dire quelle est la personnalité qui lui en a apporter le plus. C'est parti, Benoît, pour 30 secondes. Je passe. Département. Pays. Premier. 1. Zizi. Pénis. Vélo, bicyclette, moteur. Je passe. Groupe. Ça fait 2 points supplémentaires. De toute façon, vous étiez déjà sûr d'être en finale. Ça fait 12. Vous ne pouvez pas, pour faire deviner mobilette, dire moteur, car ça commence de la même façon. Mais... Et en plus, c'est de la même famille, mais quoi qu'il en soit, de toute façon, vous êtes vraiment, sans problème, le finaliste. On va retrouver Shirley à la fin de l'émission, car vous allez jouer cette finale avec Florian, qui vous a apporté le plus de points. Merci infiniment à vous, Laetitia, d'être venue parmi nous. Vous qui nous regardez, qui avez peut-être envie également de gagner un petit peu, d'entrer dans le jeu, il y a une voiture cet été à gagner, ou un chèque de 15 000 euros. Et pour cela, il vous suffit de trouver le bon mot. Alors, quels sont les indices, me direz-vous? Il y a fruits, rouge et gariguette. Alors, d'après vous, quel est le mot de passe? Est-ce 1, fraise ou 2, kiwi? Envoyez votre réponse en O2 par SMS au 7 10 20 ou alors, si vous préférez, vous téléphonez au 32 43. On passe tout de suite à une finale masculine. Il s'appelle Benoît, il est tapissier décorateur dans la région parisienne. Il s'appelle Florian Gazan, il est animateur radio également dans la région parisienne. L'un et l'autre vont se soutenir. C'est toujours Benoît, évidemment, qui va faire deviner à Florian. Et si Florian trouve les mots, au bout du compte, au bout des mots, il y a des euros, et pas n'importe lesquels, 50 000. Voilà, c'est le deuxième finaliste après Samia tout à l'heure. Bon, bah, Samia, ça n'a pas beaucoup marché pour elle, mais j'espère que ça va marcher pour Benoît, qui, je le rappelle, est tapissier décorateur dans une ville où il faut être tapissier décorateur puisque vous habitez Saint-Cloud, évidemment. Alors,
petit content de moi, comme ça, quand j'en trouve. Je vais rivaliser avec Ruquier, alors donc. Bon, allez, on regarde la pyramide des gains. 1000 euros si jamais vous faites deviner à Florian Gazan, votre partenaire, 5 mots sur 9. 2500 euros, c'est 5 mots sur 8. Les 2500 euros, c'est le palier. Si vous y arrivez, cette somme sera complètement à vous, monsieur Benoît, sans problème, quoi qu'il arrive par la suite. 5000 euros, c'est 5 mots sur 7. 10 000 euros, 5 mots sur 6. Et pour les 50 000 euros, c'est 5 mots sur... Bon, allez, c'est 3 indices, pas plus. Hein. Et si vous choisissez de passer un mot, au final, le mot ne revient pas. Voilà, 1 minute 30. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Allez, c'est parti pour 1 000 euros. Marteau. Clou. Chien. Chat. Cri. Aboiement. Verbe. Aboyer. Calot. Béret. Récréation. Béret. Boule. Pétanque. Rapidité. Vitesse. Contraire. Lenteur. Animateur. Présentateur. Julien. Le Perse. Tard. Tôt. Voilà, 1000 euros. Comme ça, c'est fait. On joue, je suppose, 2500 euros. On joue 2500 euros. Alors, c'est parti pour 2500 euros. C'est 5 mots sur 8. Pas plus de 3 indices. Bonne chance. Il s'appelle Benoît. C'est parti, il joue avec Florian. Crâné. Chambré. Rouler. Péter. Je passe. Animal. Végétal. Roi. Lion. Citrique. Acide. Deux yeux. Tertio. Comique. Plein. Vide. Théâtre. Comédien. Plateau. Scène. Bien joué. Bien joué. Tranquille. C'était Coluche. Coluche. Ah oui, comique et Coluche, ça commence évidemment pareil. Mais là, c'est bien joué. 2500 euros, cette somme est à vous, quoi qu'il en soit. Et en plus, la possibilité d'utiliser le joker. Ce joker qui vous permet de voir les 5 premiers mots de la prochaine liste avant de la jouer, cette liste, et ainsi d'avoir un peu plus de temps de réflexion, de stratégie, pour savoir comment vous feriez, si vous jouiez, faire deviner donc ces mots. OK? 5000? On joue 5000 sans joker. Sans joker, OK. Pas de problème. 5000 euros sans joker. C'est Benoît. C'est donc 5 mots sur 7. C'est parti pour 1 minute et 30 petites secondes. L'étage. Yaourt. Chanteuse. Barbara. Barbara. Streisand. 100. Veine. Séché. Croûte. Figé. Plaie. Fauteuil. Chaise. Roi. Trône. Hivernal. Estival. Avant. Printanier. Autre.
Automnal. Chien. Chat. Très bien mené tout ça. La langue française est bien faite. Alors le sang, il s'agissait du sang S-A-N-G. Figé, c'était donc coagulé. Ah, oui. 5000 euros. Alors mon cher Benoît, vous avez un joker que vous pouvez utiliser soit maintenant, soit comme vous le savez, vous qui regardez cette émission avec fidélité, plus tard, s'il y a un plus tard pour les 50 000 euros, auquel cas le joker vous montrerait les 5 mots de la liste qui en contiendra 5. Mais peut-être avez-vous envie de vous rassurer et de jouer le joker maintenant. Je vais jouer 10 000 sans joker. Alors ça c'est formidable parce que si jamais ça marche, après c'est ce qu'on appelle la voie royale. Voilà. Là c'est formidable après. Faut-il encore faire deviner à Florian Gazan 5 mots sur 6. Une seule erreur. Restez bien concentrés. Oubliez public, caméra, projecteur, animateur, tout. Vous êtes seul avec Florian. Ça peut marcher. C'est parti. 1 minute et 30 longues secondes. Polygone. Crème. Brûlée. Froide. Gelée. Autre. Glace. Glacé. Glacé, et c'est surtout le polygone qui vous a bien mis dans l'embarras, car c'est de la même famille que le mot que vous cherchiez à faire deviner à Florian, hexagone. Et donc, ça, c'était pas possible. Alors, malheureusement, ça n'a pas marché. Vous aviez déjà 5000, vous en gardez c'est simplement 2500, c'est le jeu. Bravo! Samia vient me rejoindre sur l'Espagnol, venez près de moi, Florian. Voilà. C'est quand même quelque chose hein, de se retrouver ici face aux caméras. J'ai l'impression très souvent que vous perdez tous une petite partie de vos moyens. Oui, pourtant, vous êtes en confiance, oui, là. Oui, oui, oui. Un peu impressionné quand même, oui. Ouais. Parce que polygone, c'est évident. Hein, c'est évident. Oui, on joue pas polygone pour hexagone. Oui. On sait que. Mm-hmm. Voilà. Mmh. Et vous le faites quand même. Voilà. Charles Soignon, donc son spectacle SketchUp en tournée dans toute la France et dans les pays francophones. Et puis Florian Gazan, la matinale Fun Radio avec notre ami Bruno Guillon qui est déjà venu ici d'ailleurs entre 6h et 9h. Si vous voulez participer à l'émission, c'est simple, c'est France2.fr. Samia, à bientôt, chère Marcoise. Merci, à puisque bientôt. Vous retournez à Marc-en-Barœul. Du côté de Saint-Cloud, il y a le tapissier décorateur. Et nos artistes qui reviendront prochainement dans cette émission. Je vous souhaite un bon début de soirée sur France 2. Dès maintenant, réagissez sur le forum sur France2.fr.